messieurs, dames, ravis de vous retrouver ici même sur Wayori. Comme depuis plusieurs jours, je vous promets, eh bien ça y est, l'été arrive petit à petit. On va pouvoir en profiter en ce week-end ou peut-être même pour les vacances, pour les plus chanceux d'entre vous, bande de petits vénards. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous le voyez à l'image de cette carte, le soleil devrait s'imposer très facilement sur l'ensemble des Hauts-de-France. Alors les quelques nuages que vous voyez indiqués sur cette carte seront uniquement là pour décorer le ciel et des températures qui au petit matin seront comprises entre 15 et 18 degrés. 15 à degrés du côté de Château-Thierry, 16 à degrés pour Noyon, pour Péronne, pour Beauvais, 17 à degrés pour Albert, à se partager avec Béthune ou encore du côté de Bruay-la-Buissière, 18 degrés pour Le Forêt ou encore pour la métropole lilloise. Pour la suite de votre journée, le soleil va s'imposer très facilement sur l'ensemble de nos départements, pas l'ombre d'un nuage. En passant par le nord, le Pas-de-Calais, la Somme-Loise ou encore du côté de l'Aisne, les températures qui vont continuer de grimper, on sera enfin conforme au normal de saison avec 24 degrés du côté de Lille ou encore pour Armentières, 23 degrés pour Arras, 21 degrés du côté de Valenciennes, Orchies ou encore pour Saint-Amand-les-Eaux, 24 degrés du côté d'Amiens, pour Beauvais ou encore pour Compiègne. Pour la journée de dimanche, des conditions idéales, parfaites pour faire un bon petit barbecue en famille ou entre amis avec un soleil qui devrait s'imposer très facilement le matin mais également dans l'après-midi. Et pour la journée de lundi, eh bien on prend les mêmes et on recommence avec toujours un beau ciel bleu tout au long de la journée et des températures entre 22 et 24 degrés. Passez une excellente journée en ce samedi 17 juillet.